Pour l'instant, ça a l'air de bien aller. Espérons que ça va durer pendant toute la rencontre. On se souvient du match de Pete Sampras hier sur ce même cours Suzanne Lenglen. On avait vu dès les premiers échanges que Pete Sampras n'avait pas récupéré du tout. Un moment particulièrement important pour Sandrine Testu. Elle occupe maintenant la 24e place. Vraiment une bien belle saison pour Sandrine Testu. Et la tête de série. Et encore une de faute, c'est beaucoup ça. Est-elle plus que Marie sous la pression de l'événement? Pour l'instant, elle a pris le dessus. On l'a vu avec Monica Seles qui a gagné très facilement 6-0, 6-1 contre Nathalie Tauziat. Et pour l'instant, eh bien, Marie Pierce domine largement son adversaire, Sandrine Testu. Sandrine Testu qui a disputé son dernier tournoi avant Roland-Garros, c'était à Strasbourg. Ah non, alors ça, je n'ai jamais vu un coup pareil. Certainement. Non, c'est un coup à l'échange, ça. C'est le dernier coup droit qui est splendide. De cet endroit du cours, à peu près aux alentours de la ligne de service, on peut se permettre de faire une volée très frappée. Hier ist immer wieder die Chance, sich hinzustellen. Schauen Sie mal hin. Und diese Situation ändern natürlich. Da hinten auch an der Grundlinie eine kleine Ehrenrunde, um einmal durchzuschnaufen. Prima. Ausgemogelt hat sich da Murray Pierce. Die beiden Damen das in dieser Einstellung sehen. Dieser wilde Vorhandflugball. Bleiben wir drauf oder nicht?